Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le défi qui est de visiter le centre d'un cercle de tempête et je vais vous aider à réaliser le deuxième défi qui est de visiter le centre de plusieurs cercles de tempête en une seule partie. Alors pour réaliser le défi, vous pouvez le faire dans n'importe quel mode de jeu. Vous allez au centre de la tempête, donc vous regardez la map, vous regardez le centre et vous vous dirigez à peu près au milieu. Si ça ne se valide pas, ben vous marchez genre de gauche à droite pour essayer de trouver le centre. Mais logiquement, je pense que le centre va être vaste et dès que vous allez vous approcher du centre, ça validera directement le défi. Alors pour le prochain défi qui est de visiter 3 centres de tempête en une seule partie, moi ce que je vous conseille c'est d'aller en foire d'empoigne et là vous allez au centre des 3 tempêtes qui apparaîtront. Donc ce qui est bien c'est qu'en foire d'empoigne si vous mourrez, ben la partie elle continue, vous pouvez réapparaître. Après, je suis pas sûr que dans toutes les parties, il y a 3 cercles de tempête, parce que dans certaines parties, les parties sont très très courtes, et je pense qu'il n'y a pas le temps que 3 tempêtes arrivent. Alors, si vous voulez être sûr de réussir ce défi en une partie, eh ben, je vous conseille d'aller en solo, tout simplement, et là, vous allez jouer en sneaky. Donc, vous allez plus ou moins au milieu de la zone, vous cachez en dessous d'un arbre ou quoi, et vous attendez que la première zone arrive, puis après, ben, vous allez vous cacher pour la deuxième zone, et la troisième zone, etc, etc. Comme ça, vous validez votre défi sans prendre de risque. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao. Peace. I'm me.